Salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve pour l'épisode 8 du Let's Play sur Eden Eternal. Mais je crois que c'est l'épisode 8. Sûrement. 8 ou 9. Enfin, j'ai déjà plus le compte des épisodes. J'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. J'ai tourné l'épisode en retard. J'ai eu quelques problèmes en fin de semaine. Ça devrait se régler encore. Oui, votre l'épisode reste mis en ligne lundi à place de dimanche. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc, on continue. Nos quêtes, on était rendu à informer Nicolas ou Nicolas. Il est là-bas. Et sinon, fallait juste aller. Ok, donc on va se rendre à Nicolas. Voilà. Alors, cet épisode-là aussi, je suis toute seule. Pourquoi? Ah, oh, ok. Ce sera pas long d'abord, je vais voir. Non, guild. Non, stat, jauge. Et voilà. Alors, je vais voir Nicolas. Je vais voir la guild aussi. Voilà. On va finir les cavernes de schiste 3. Normalement, on va pouvoir aller à Bubeluga ensuite. Si je regarde dans le titre, c'est Nana, c'est ici. On n'a pas eu encore les titres. On n'a pas eu encore ça, donc il nous manque encore une quête ici. Je vais aller voir le forgeron Ursin Brillant. D'après moi, c'est lui qui va donner la quête. Alors, je vais y aller comme ça va être bien plus rapide. Voilà, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, on a une quête de donjon. Cette fois, on va le faire le donjon seul. Parce qu'on est seul, tout simplement. Alors, il faut tuer des pumas à griffes de pierre. Oh, c'est loin ça. C'est là. Pas grave. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouvelles séries qui sortent sur la chaîne. C'est normal, c'est que je suis en train d'en préparer plein, mais ça prend quand même du temps de les préparer. Parce qu'il faut déjà que je trouve le thème. Bon, ça c'est déjà fait hein, pour parler de toutes les séries que je suis en train d'essayer de sortir. C'est de trouver le thème, ben, le jeu ou que je vais faire sur ce jeu-là. Mais le plan, c'est de faire la vidéo, puis de la tourner, non, de la monter. Et de les mettre en ligne, c'est pas trop un problème, c'est assez rapide. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Ça risque de sortir dans assez longtemps. Je sais pas si vous connaissez le mode pack, c'est sur Minecraft, c'est un jeu que j'aime bien. Ça se peut que je fasse des petites séries là-dessus, je sais pas encore trop ce que si je vais faire de quoi sur Minecraft, mais. Ben oui, c'est sûr que je vais faire de quoi sur Minecraft, mais je sais pas trop quoi encore. Puis il y a un modpack dessus qui s'appelle Exit, Hexit. Donc c'est un modpack avec plein de mods dessus. Puis, je vais pas faire un let's play dessus, mais j'aimerais bien faire des tutos. Mais il faut d'abord que je trouve toutes les informations. Donc, ouais. C'est celle-là. Sinon, je fais un let's play sur un autre jeu. J'espère que vous allez aimer celle-là. Bon, vous voyez cette vidéo-là, je vous dis vraiment toutes les jeux sur lesquels je vais jouer. Hein. C'est peut-être pas la meilleure affaire, mais bon, ça vous met l'eau à la bouche. Puis, faut bien que je le dise de toute manière un jour.
Donc, une série aussi que je prépare sur Assassin's Creed, le premier. En fait, j'avais l'intention de jouer à toutes les Assassin's Creed. Mais je sais pas si. Je suis sûr que je mets en ligne les épisodes le premier. Peut-être après, je joue aux 2, 3. Puis je vais mettre en ligne des quatrièmes. Ou je sais pas si je vais tout faire la série. Je sais pas si ça vaut la peine en fait de tout faire la série. Sur YouTube. Ou si je fais juste le premier et le quatrième par exemple. Ou le premier et le cinquième qui va sortir bientôt d'ailleurs. Bientôt, c'est quand même dans un peu longtemps, mais bon. Donc, ouais. C'est pas mal ça. Sinon, j'ai une autre série en tête que j'ai commencé à tourner, mais je suis pas certaine de les mettre en ligne, donc je vous en parlerai pas tant que ça sera pas certain. Les séries que je vous parle en ce moment, ça se peut que ça prenne un bon bout de temps, mettons un ou deux mois, avant que je mette un épisode en ligne. Assassin's Creed, ça va sortir assez bientôt parce que j'en ai déjà tourné trois épisodes, puis je vais pas tout tourner non plus la série avant de les mettre en ligne. Mais les tutos. J'ai pas encore commencé à les tourner. J'ai récolté des informations, mais il faut quand même que les tutos valent la peine d'être vus, hein, que ça ne dure pas juste 2 minutes puis qu'il n'y ait pas de contenu. Donc j'essaie quand même de trouver des informations intéressantes puis que ça vaille la peine d'être vu. Donc ça va être un peu long avant que je mette en ligne un épisode. Vous êtes prévenus. Sinon, je sais pas trop ce que vous pensez de la série Spiral Knight. Je sais pas si je fais un let's play ou non dessus. Parce que j'aime bien le jeu, mais de ce que j'ai compris, je sais pas, hein, j'ai pas beaucoup joué. Mais de ce que j'ai compris, c'est pas mal ré répétitif. On fait un donjon, on améliore nos armes, puis ça. Donc je sais pas si je fais un let's play, puis ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine. Je sais pas encore. Pour le moment, je vais m'en tenir à 3 épisodes. Je vais finir à 3 épisodes, puis si je vois que vous aimez ça, puis que vous demandez que je continue, je vais continuer la série. Mais pour le moment, je vais faire comme si le troisième c'était la fin. Puis même, ça se peut que durant le troisième épisode, je vois que ça se répète pas du tout, puis il y a plein de possibilités sur ce jeu-là, donc je vais peut-être continuer après le troisième épisode si je décide que. C'est pas, on n'a pas encore tout exploré. Mais c'est sûr qu'on n'explore pas tout au début, là, mais qu'on n'a pas tout exploré les fonctionnalités globales du jeu, disons. Mais pour le moment, on va faire comme s'il y avait juste 3 épisodes, puis le prochain va sortir le dernier. Donc va sortir l'épisode 3 va sortir jeudi. Normalement. Puis il y a un truc un peu spécial. Avec ma série sur Pokémon. Je vais faire le dernier épisode mercredi. Parce que, bon, déjà, premièrement, je vois que ça attire de moins en moins de monde. C'est sûr que ça s'attire beaucoup. Ma série s'attire beaucoup. Donc, c'est de moins en moins intéressant. Puis moi, j'ai de moins en moins de plaisir à tourner les épisodes de Pokémon. Puis je m'y prends pas mal à la dernière minute pour Pokémon, alors que les autres, j'ai hâte de les tourner. Puis je dois me retenir de ne pas les tourner trop rapidement pour avoir vos commentaires un peu avant. Donc, alors que Pokémon, je les tourne toujours limite, juste avant de devoir les mettre en ligne parce que j'ai pas hâte en fait. J'ai plus hâte à les tourner, puis j'ai de moins en moins de plaisir à les tourner. Donc, je vais arrêter la série sur Pokémon. Au prochain épisode, ben, je vais vous le dire de toute manière, je vais le redire. On n'aura pas fini le jeu. J'aurais aimé ça le finir, mais j'ai pas choisi un bon truc en vous montrant vraiment toute ma progression, en vous montrant tous les dresseurs que je bats, puis tout. C'était peut-être pas une bonne idée. Puis moi-même, j'ai pas trop apprécié non plus ben, de le tourner de même parce que c'est dur de commenter en permanence. Surtout quand on commence une chaîne. Oh, ça c'était mon chien qui était pas content. C'est mon chien qui est pas content. Donc ouais, c'est dur de commenter en permanence quand on commence une chaîne. Surtout moi, j'étais pas très à l'aise. Je suis pas encore super à l'aise en faisant mes épisodes, mais je m'améliore. Je sens que je m'améliore. Et j'espère que vous voyez que je m'améliore aussi. Mais au début, c'était assez dur. Et ça se sentait. Puis
Ça se sent. Moi, je le sentais, puis j'aimais pas trop ça. Non, bien. Je m'étire. Oui, je sais. C'est pas très clair ce que je dis. Je recommence. Non, je recommence pas. En ce que je résume, ce que je viens de dire, c'est que j'étais pas très à l'aise. Et en montrant toutes les parties de l'SP, donc en montrant aussi quand je faisais des combos contre les dresseurs, pas très importants, mais mettons sur les routes, ça faisait que je devais commenter en même temps. Et j'avais pas beaucoup de choses à dire. Et j'ai dit ça tout au début. Au début de mes épisodes, je parlais quand même un peu. Et ensuite, je savais plus trop quoi dire. Et ça faisait que j'étais mal à l'aise. Et ça m'a moins donné envie de tourner les épisodes. Puis là, je crois que la meilleure affaire, si je devrais faire le let's play, là, je montrerais juste les parties importantes, comme quand je découvre une ville. Ou en fait, non, je reformule. Je montrerai pas les routes parce que c'est pas très intéressant. Je montrerai pas quand je fais XP mes Pokémon, non, je montrerai vraiment juste les combats là. Dans les combats, je montrerai juste les combats importants comme les combats d'arène ou contre le rival. Je montrerai quand je découvre les routes. Puis ouais, pas mal ça. Quand je fais des combats contre des vraies personnes aussi. Mais je montrerai pas les routes, puis là, ça durerait comme trop longtemps. Je crois que j'aurais pu faire le let's play en quoi, 7-8 épisodes. Alors que là, je l'ai fait en. Je l'ai même pas fini, puis je suis peut-être rendu à moitié, même moins. Je suis rendu même moins à la moitié du. Moins que la moitié des SP, puis je suis à 19 épisodes. Donc c'est vraiment trop long. Et c'est ça. Donc je crois la meilleure affaire que j'aurais pu faire, c'est de mettre moins d'épisodes en ligne, mettant un à tous les mois, mais en mettant plus de contenu. Ouais. Ça aurait déjà été mieux. Puis je crois que j'ai changé ma manière de faire. J'ai déjà changé. J'en mets juste 1 ou 2 semaines maintenant, mais je mets plus de contenu. J'essaie de mettre plus de contenu, mais j'aurais dû faire ça dès le début parce que là, il est trop tard. Ça me tente déjà de jouer à Pokémon parce que. Ça me tente encore de jouer, mais pas de faire des épisodes dessus en fait. Donc c'est ça. Je vais arrêter Pokémon mercredi. Sinon, j'espère que vous aimez la série sur Eden Cernal. Je suis pas vraiment pro à ce jeu-là. Pour optimiser, disons, je suis pas super bonne. Hein. Bon, Neko, t'as dû le voir quand on s'est fait un petit combat. Mes objets, mon équipement est pas très optimisé. Mais je fais de mon possible et en même temps, cette série me permet d'apprendre beaucoup de choses. Parce que Eden Cernal, c'est un jeu qu'on peut jouer seul. Mais parce que quand j'ai commencé à jouer, en fait, j'ai joué seul. Puis je me suis tannée rapidement parce que je connaissais pas les guildes. Ben, je connaissais les guildes, mais. Ouais, pas plus que ça, quoi. Je voulais pas entrer dans une, en fait. Je voulais pas entrer dans une guilde, je connaissais personne dans le jeu. Ouais, en fait, je voulais pas jouer, en fait. Je jouais pas pour vrai, en fait. Parce que moi, ce que j'appelle jouer pour vrai, c'est. Il y a des fois où quand j'étais dans une guilde, avant, enfin bon bref, je m'égare là. Des fois, quand j'étais dans mon ancienne guilde, je parlais, des fois, ma période de jeu, constant 1 heure de parler sur le chat. Alors qu'avant que je connaisse vraiment les guildes, je m'ennuyais, je faisais juste jouer. Déjà, le jeu il était beaucoup plus dur aussi. On pouvait moins XP rapidement. Fallait vraiment faire du farming beaucoup plus qu'en ce moment. Puis surtout, je connaissais personne donc je pouvais pas vraiment passer le temps avec des gens. Je pouvais pas XP avec les gens. Je faisais tout toute seule. Puis à un moment donné, je me suis tannée peut-être niveau 50. Réduit au niveau même pas 40. 40, puis après je m'étais tannée, j'ai arrêté de jouer pendant 6 mois peut-être. 6 mois, 1 an. Même. Ouais, à peu près 1 an que j'ai arrêté de jouer. Là, j'ai recommencé à jouer pendant à peu près 1 an, j'ai joué. Après, je me suis tannée encore. Là, j'ai arrêté à peu près 1 mois, puis j'ai repris, puis là, c'est là que j'ai repris, j'ai commencé à faire les vidéos et tout. Puis quand j'ai repris, j'étais dans une guilde et tout, je me suis bien mêlée. Puis en fait, comme je disais, il y a plusieurs niveaux de jeu quand on joue seul, que là on se tourne assez rapidement. Mais quand on joue en guilde,
Puis quand on joue en guild, mais pour vrai, moi, parce que moi, je dirais jouer en guild. Je joue pas en guild, mais. Oh! Oui, il y a quelqu'un qui m'appelait, ce serait pas long. Allez, ça. Ok, ouais, donc je me suis totalement embrouillée dans mes explications, il n'y a personne qui a dû comprendre. S'il y a quelqu'un qui comprend, je suis toute contente. En gros, je disais, je considère que comme il y a trois niveaux de jeu. Il y a quand on joue seul. Qu'on peut pas vraiment faire les donjons en illimité, sauf si on est vraiment bien stuffé. Il y a quand on joue en guild puis qu'on profite pas mal des autres. Non. Je fais juste en fait en ce moment, je finis que m'embrouiller. Parce que plein de niveaux de différents trucs. En tout cas. Puis moi, je dirais. Oubliez toutes les explications que j'ai dit avant. C'est oublié, vous oubliez tout. Je me suis juste embrouillée. Je suis fatiguée en ce moment. Je ne parle même plus correctement. Oubliez tout, hein, tout ce que j'ai dit. Je vous déconseille de. Déjà, je vous déconseille de jouer seul parce que c'est plate. Mais c'est le fun au début, mais à un moment donné, vous allez juste vous tanner. Vous allez vous ennuyer sur le jeu en fait. Ensuite, il y a une deuxième chose. Moi, je me considère pas comme une experte. Juste quelqu'un qui sait à peu près jouer. Je suis quelqu'un qui découvre pas le jeu, mais qui est pas experte non plus. Je sais à peu près jouer. Pardon. Je sais jouer, mais je sais pas optimiser mes affaires. Donc, ouais. Et là, on est dans le donjon Héroda et j'ai passé environ 10 minutes à essayer de vous expliquer quelque chose que vous avez sûrement pas compris parce que je me suis tout embrouillée. Alors, on va faire ce donjon assez rapidement, j'espère. Et ouais, cet épisode va être plus court. Donc, je vais finir le donjon puis on va l'arrêter là, l'épisode. Parce que ben, je tourne l'épisode en retard, comme je vous l'ai dit. Et oui, c'est de ma faute. Je m'en excuse. Pour la peine, le prochain épisode, on va le faire plus long. Voilà. Mais cet épisode-ci va être plus court que les autres. Alors, ouais. En fait, je suis même pas sûre qu'il va être plus court. Attendez un instant. 19 minutes. Oh, il va être la même grandeur. Haha, je me suis totalement trompée. Il va être la même longueur, même. Parce que le donjon, on va pas le faire en moins de 10 minutes, là. Ça, c'est quand on a quelqu'un comme. Comme Sakura avec nous, Yuko, que ça se fait en 8 minutes, mais je suis pas assez bonne moi pour faire un donjon comme ça. De mon level environ, c'est un peu plus long, ok. Il y a 4 niveaux de moins que mon level, mais pareil, je le ferai pas hyper rapidement. Voilà. Suivant. Je vais baisser un peu les graphiques. Voilà. Effets spéciaux, je mets tout en max. Ouais, non. Moyen. Accès au max. Ouais, non, je peux baisser les graphiques, mais j'ai l'impression que ça lague un peu. Ouais, ça lague. Ça lague pas, mais c'est pas fluide, disons. C'est un peu bizarre. Bonsoir tout le monde. D'accord. Ça fait quoi ça? Ah, c'est une autre capacité comme ça. Bonsoir. Alors, j'ai appris. Oh, ce sera pas long. Je voulais aller voir mes compétences, mais c'est peut-être pas le bon moment. D'accord. J'ai appris bénédiction de la lumière. J'utilise pas vraiment les buffs. Vous me direz, c'est peut-être pas bien, mais j'y pense jamais, donc je vais juste l'améliorer au niveau 5 pour quand j'y pense. Puis si j'apprends à jouer avec les buffs un jour, bah, je les améliorerai plus.
La lit. Ah, oups, je suis en train de me faire attaquer. Salut! Oh, j'ai pas pu l'éviter. Ouais, là j'ai tué le boss. Je vais parler à Sécateur. Je vais prendre la botte. C'est une masse. J'ai mieux, mais bon. C'est pour la symbolique de la chose. Non, cette fois les bottes Giro, le truc noir, le dragon noir, et en augmenter le niveau aussi. Je vais augmenter ça, voilà. Voilà. Vous avez passé une bonne journée. Oui, mais j'ai pas vraiment le temps de te. Il faut le vouvoyer. Et vous? Il faut se vouvoyer? Ok. J'aurais écrit oui, toi. Si j'avais écrit, j'aurais écrit oui. Oups. Alors, ces dragons sont un peu plus durs à battre, mais ils font pas vraiment de dégâts. Ils font pas plus de dégâts, en fait, c'est pas trop un problème. Possible de me tutoyer, vous... j'ai l'impression d'avancer en mettant. Ah bon, non, j'écrirai rien. Alors, le Giro, il est où? Ah, il est là. Je vais aller par là-bas parce qu'il y a d'autres dragons. Voilà. Je crois qu'il y en a. Ouais, il y en a un autre. Puis je crois que c'est le dernier lui. Ensuite, on va s'attaquer à Giro et ça va faire 25 minutes. Donc ça va être un peu plus court peut-être. À la place de. Je sais pas si je faisais une demi-heure ou 25 minutes d'habitude. Bon, c'est pas grave. Ça va pas se voir. C'est déjà sûr. Cherche Lefko. Non, merci. Bon, bah c'est parti, on va essayer le Broken. Ça va être dur avec le chien. Voilà. Voilà. On l'a broken. On l'a broken avec le bel accent. Ça a rien donné, mais bon. On peut pas toujours savoir. Et on va se quitter ici. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne, à mon Twitter, à mon Facebook. C'était Tania. À la prochaine!